Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite sortie et un test d'un vélo qui m'a été prêté par Stéphane de la chaîne Gravel & Bike. Et ce vélo, je vous en ai parlé sur Instagram pour ceux qui suivent le compte, toutes les infos sont là. Ce vélo, c'est un Origin Elf, c'est-à-dire un vélo de gravel de chez Origin, mais électrifié. Attends, stop, qu'est-ce qu'il y a? C'est la première vidéo de l'année. Et Faut souhaiter une bonne année à tous les abonnés de la chaîne. Bonne année à tous alors. Et les autres, ceux qui sont pas abonnés à la chaîne? On leur dit de s'abonner en cliquant juste en dessous, et on leur souhaite aussi une bonne année. Alors, très bonne année à tous. Ok, on peut reprendre? Oui, c'est reparti. Et aujourd'hui, on va voir si l'électrification d'un vélo en gravel, c'est quelque chose de bien ou pas. J'ai pas encore d'avis là-dessus, on va voir dans la vidéo. Et pour me suivre aujourd'hui, j'ai mon ami François qui est là, à qui j'ai prêté mon Canyon Grizzle, qui comme ça lui permet de tester aussi un Canyon. Et évidemment, pendant cette sortie qui va se dérouler en forêt de Meudon principalement, on va échanger nos vélos, parce que deux avis valent mieux qu'un. Allez, à tout de suite après le générique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais te parler de ce fameux Origin Elf. Et tu vas couper souvent la vidéo? Oui, ça, il y a des chances. Ok. Tu t'en vas? Alors, cet Origin Elf, c'est quoi? Dans notre cas, c'est un vélo de gravel en aluminium. Oui, parce qu'il faut savoir que Origin fabrique aussi d'autres types de vélos avec l'appellation Elf. Il est équipé d'un moteur Mahle X20 de 3,2 kg situé sur l'essieu arrière. Et il est aussi équipé d'une batterie de 250 watt-heure. Il est toujours parvenu, on repart quand même. Pour l'instant, on est en train de remonter la coulée verte. Et je dois dire que je suis en assistance verte, c'est-à-dire le premier niveau d'assistance. Alors ça, il y a une petite application qui permet de régler la force des différents niveaux d'assistance. Et je crois que là, elle est à 61%. Et je peux vous dire que dans les petites montées de la coulée verte, il y a des voitures. Hop, merci. Je peux vous dire que dans les petites montées de la coulée verte, c'est plutôt pas mal, ça aide bien. En fait, on n'a vraiment pas l'impression de forcer. Alors, est-ce qu'on fait encore du vélo? Certains me diront, je suis sûr, dans les commentaires. Oui, mais c'est plus du gravel. Le but, c'est de se tuer les jambes. Et bon, je ne discuterai pas de ce point-là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, je m'installe parce que je sens que ça va être long tout ça. Au fait, il coûte combien ce vélo? Alors, d'après mes calculs, parce que je crois que Stéphane de la chaîne Gravel & Bike, qui me l'a gentiment prêté, a changé quelques composants, comme la selle par exemple, et le pédalier, ce vélo sort à 4 993 € sur le site d'Origine. Waouh, il n'y a pas moins cher? Ah si, bien sûr, parce que comme d'habitude avec Origine, tu peux configurer ton vélo avec des composants moins onéreux ou plus onéreux suivant ton budget. Et au minimum, ce vélo il sortira à 3 569 € pour la version LS29. T'as d'autres questions? Non, pas pour le moment. Ok, on y retourne. Alors bon, ça y est, j'attaque la première montée. On est sur du 5%, donc c'est pas la mort non plus. Et l'assistance, on la sent un petit peu moins. Alors elle est là, mais il faut quand même appuyer sur les pédales. C'est pas comme un Vélib où vous avez rien à faire et ça pédale pour vous. Là, mine de rien, faut quand même appuyer. Donc pour ceux qui se disent mais l'assistance machin, finalement si. Voilà. Alors c'est pas aussi dur bien évidemment que pour François qui est sur mon Grizzle et qui lui pédale quand même malade, parce que j'ai bien joué le coup. En fait, tout l'aller c'est de la montée et tout le retour c'est de la descente, donc je récupérerai mon vélo à la descente. François, cette petite montée alors? Sans électrique, c'est plus dur. Il semblerait.
Stop. Oui. T'as parlé de réglage d'assistance tout à l'heure, mais ça consiste en quoi? Ah bah ça, c'est relativement simple. Il y a une application que tu peux installer sur ton téléphone et qui va te permettre de configurer la force du moteur sur trois positions que tu vas ensuite pouvoir activer soit directement sur le bouton qui est situé sur le cadre du vélo, soit avec le petit compteur Mallet qui peut être acheté en supplément sur le site Origin, soit directement bah, sur ton GPS que tu auras préalablement connecté en HandPlus à ton vélo. Et tu vas aussi pouvoir retrouver bien évidemment d'autres informations comme la durée de batterie restante. Ah bah c'est cool ça. On y retourne. Il y a un petit peu plu ces derniers jours et ces dernières heures, donc le sol est un peu gras. Et comme c'est pas mon vélo, je vais tout de même faire attention. C'est vraiment la bouillasse absolue hein, aujourd'hui. On est dégueulasse de la tête aux pieds. Et moi, j'avais emmené mon boîtier photo que je tenais dans le dos. Et en fait, on vient de s'apercevoir qu'il était rempli de terre. Alors, je vous cache pas que c'est un boîtier qui coûte un peu cher. Petit passage un peu technique. C'est un boîtier qui coûte un petit peu cher. Donc, j'espère que je vais pouvoir le nettoyer correctement par la suite. Et sec. Stéphane, je suis désolé, j'ai un peu sali ton vélo. Tu m'en voudras pas? Voilà, on est exactement à mi-distance du parcours. Il va être temps d'échanger les vélos. François va prendre le Origin Help, parce qu'il a déjà bien pédalé ce matin, enfin tout à l'heure. Et puis moi je vais prendre un vélo qui n'est plus électrique, c'est-à-dire le mien. Et puis comme ça, ça va permettre un petit peu de comparer les choses, et notamment au niveau de la géométrie du vélo. Je ne sais pas si on voit trop, mais en fait, le Origin est plus court au niveau du cadre. Il est un peu plus ramassé. Et au niveau de la fourche, je pense que c'est à peu près pareil. Ouais, c'est le même rendu. Mais le cadre paraît un peu plus ramassé sur le Origin que sur le Canyon. Je sais pas si on voit bien, si on arrive à comparer les deux cadres là sur la vidéo. Dans tous les cas, ils sont dégueulasses l'un comme l'autre. Bon bah là c'est une côte, on est à 10% et c'est pas la même quand tu reprends un vélo qui n'est pas électrique. Là ça pique un peu dans les jambes. Ah, ça a l'air plutôt tranquille pour toi. Ouais, ça va finalement, parce que sur Garmin ça met 12% et pas sûr. Hein. T'arrêtes encore? Oui, c'est pour te parler de la lumière. Il y a un problème? Bah pour moi, c'est le gros point noir de ce vélo. En effet, impossible de la déclencher sans avoir ce petit compteur Mallet. Impossible de la faire marcher via l'application sur le téléphone, ni même avec un GPS Garmin pourtant bien connecté. Ah oui, c'est relou ça. Ah bah, je te le fais pas dire parce que ça oblige à constamment transporter ce petit carré, ce petit compteur Mallet avec soi, même quand on fait du vélo taf. C'est vraiment très facile.
Non, c'est assez dingue, hein. Alors, t'en penses quoi? Ça me dit tout seul, c'est super agréable. Ah, c'est ludique, c'est rigolo. C'est un truc qui permet d'aller se balader, de prendre le plaisir du vélo, retrouver la nature sans aucun effort. Enfin, avec un petit effort quand même. François, on vient de faire une première montée. On peut avoir ton avis sur cette première montée. T'étais en quoi? En premier niveau, donc à 61%. C'est absolument incroyable. On force, mais à peine. Ça monte tout seul, c'est agréable, c'est confortable. Je suis totalement séduit. Vraiment, c'est hyper sympa. Pour ceux qui disent que c'est pas du vélo. Ben si, c'est du vélo, parce que ça permet pour certains qui ont soit un retour, qui étaient sportifs et qui veulent faire un retour au vélo et qui ont envie de retrouver la nature, mais sans être obligé de se mettre à bloc, ben c'est un bon compromis. C'est retrouver tout le plaisir du vélo sans être obligé d'être ultra sportif. Je trouve ça formidable. Et t'as essayé le Grisol juste avant. T'en penses quoi au niveau géométrie Alors je trouve ça très confortable, peut-être une direction un peu moins précise que le Grisol. J'ai pas roulé encore assez longtemps pour voir exactement les qualités et les défauts, mais jusqu'à présent je suis bien dessus. François, je crois qu'on teste bien les vélos, hein, vu l'état. On me l'a donné, il était sale. Hein. Non, je plaisante. C'est faux, il était propre. Ouais, on a fait un petit peu de boue, quoi. Ouais, donc c'est un peu gras aujourd'hui, hein, vu l'état des vélos et vu... ce qu'on traverse, on les teste bien. Et je dois dire que dans le gras, justement l'assistance, c'est là que ça prend tout son sens. Parce que les endroits où on pourrait quasiment pas passer en pédalant normalement, l'assistance elle permet justement de passer ces endroits-là quand ça patine à mort et que ça grimpe. L'assistance ça aide bien. Donc finalement c'est un concept qui est plutôt en devenir à mon avis. Et notamment pour les gens qui n'ont pas un très haut niveau comme moi en gravel, ça aide bien, voilà. Mais bon, je crois quand même à la fin, je vais garder mon Grisol. Bon bah là, voilà. J'ai plus de moteur. Le moteur, c'est mes jambes. C'est là qu'on voit que les heures passées sur Sweet n'ont pas servi à grand chose. Là, c'est peinard. C'est vraiment la balade. Ça monte pas, c'est pas important. C'est la balade. Voilà, le moteur est dans l'essieu arrière. Voilà, fin de cette petite sortie en gravel électrique et non électrique dans la forêt de Meudon. François, un petit mot de conclusion, qu'est-ce que t'en as pensé de ce... J'ai trouvé ça absolument formidable. C'est, pour moi, c'était une découverte du gravel. Un côté musculaire extraordinaire et puis un côté électrique qui donne un aspect encore plus ludique à la discipline. Et j'ai adoré le vélo, vraiment j'ai adoré. Bon ben voilà, Origin Help finalement, un bon point pour ce gravel électrique. Il est bien le film, mais l'image était moins top que d'habitude. Oui, je sais, j'ai eu un souci avec ma GoPro. En fait, je l'avais réglé pour un tournage que j'ai fait précédemment. Et dans la précipitation, j'ai oublié de remettre le shutter en auto, d'où les problèmes de stabilisation. Et ton Sony ZV-E1, t'as réussi à le ravoir parce qu'il était bien plein de terre quand même. Ouais, alors là, ça a été un petit peu galère de le nettoyer, mais j'ai réussi à le ravoir. J'avoue que j'ai eu quand même très peur. Et sinon, t'en as pensé quoi de ce vélo finalement? Alors, pour être très honnête, au début, j'étais plutôt sceptique quand Stéphane de la chaîne Gravel and Bike me l'a passé. Mais maintenant, après plusieurs jours, voire semaines d'utilisation, je suis aux trois quarts conquis. Alors en fait, c'est un bon vélo de gravel, même si c'est pas le meilleur qui soit, à cause sans doute de la répartition des masses qui est due au moteur situé dans l'essieu arrière et qui rend, à mon goût et au goût de François, qui l'a dit dans la vidéo, la direction un peu floue. Néanmoins, l'ajout d'un moteur rend... les sorties fun et ludiques. En effet, on peut rallonger les distances sans trop se fatiguer. Et c'est surtout dans les parties techniques, dans les montées ou dans la boue, que le moteur prend tout son sens. Et puis en vélo taf, c'est tout bonnement génial. Et quid de l'autonomie? Tu vois, sur cette sortie, à la fin, il me restait 35%, ce qui est très correct. Et l'autre jour, j'ai fait du vélo taf avec ce vélo. Il faisait
fait moins de 2 degrés. J'ai utilisé les phares sur tout le parcours et le moteur à 81%. Et au retour, il me restait 65% de batterie, ce qui est aussi très très correct. Bah, j'en aurais appris des choses aujourd'hui, j'ai bien fait de venir. Oui, et c'est pas tout, parce que grâce à la dernière vidéo que j'ai fait sur les fringues, eh ben, j'ai été contacté par la marque Sirocco, qui m'a proposé de devenir un de leurs ambassadeurs. Et pour une fois, bah, j'ai dit oui, parce que c'est une marque que j'aime bien. Alors, ça permet deux choses. Ça permet de vous proposer un code de réduction de 10% que vous pouvez utiliser soit en suivant le lien qui est dans la description de la vidéo, soit en utilisant le code qui s'affiche à l'écran au moment de la validation de votre panier. Moi, ça me permet d'un autre côté d'avoir quelques fringues gratuites que je vous présenterai et que je testerai sur la chaîne. Et ça me permet aussi d'avoir une petite compensation financière à chaque fois que vous commandez sur le site de Sirocco. Très chouette tout ça, mais c'est pas le moment de se dire au revoir maintenant ? Si, tout à fait. Alors si cette vidéo vous a plu, pensez comme d'habitude à mettre un pouce levé. C'est important pour les algorithmes de YouTube et puis pour remonter la chaîne sur YouTube. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça aussi, c'est important. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !